Comment ça va les gars? Nous sommes le vendredi 4 août 2023, il est 16h09, heure de Limoges. Et alors ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on continue la carrière et qu'on continue la série de playoffs contre les Warriors. Donc on va tout de suite lancer le mode ma carrière, on va vérifier qu'on est bien au match 2. Et ensuite, bah, match 2, match 3, match 7, de toute façon on va jouer les gars. On va jouer et bien évidemment on va gagner. Il est bien ce son là, donne-moi le titre, West Side Web. Progresse, franchement pas mal, vraiment pas mal, ajoutez ça dans vos playlists les gars. Grosse W la playlist sur NBA 2K23. Comme quoi, en cherchant bien, on arrive quand même à lui trouver des points positifs. On est parti les petits potes. Je vous rappelle qu'on a gagné le match 1 au terme d'une opposition qui était pas dégueulasse si je me rappelle bien. C'est juste qu'ils ont complètement lâché je crois dans le 4ème carton. Du coup là on va se diriger vers la Crypto.com Arena pour le match 2. Et bien sûr on va chercher une deuxième victoire en autant de matchs. On est parti les amis, on prend les mêmes et on recommence. Match 2 entre les Lakers et les Warriors. Deux équipes, une place pour les finales NBA. Nous menons dans la série un match à zéro. Game time, baby! On est parti, on va faire du sale! On commence avec la spéciale. Ok, spéciale perte de balle. Oh, Draymond Green, la contre-attaque. Waouh! C'est Draymond Green ou Magic Johnson? Ah ouais, mon gars, début de match en trombe là des Warriors. Alors vous savez quoi, non, faut quand même que je vous dise un truc parce que ça c'est un truc de ouf. Il y a un gars qui m'a carrément dit, mais ça part d'une bonne intention. Il m'a dit, mais Blackie, là franchement, c'est trop facile pour toi le Hall of Fame. Tu veux pas genre télécharger un fichier pour avoir une difficulté encore plus élevée qu'Hall of Fame? Frérot, je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Le petit écran de LeBron James. Oh, step back. Après premier shoot, je prends directement un step back. Je me mets pas forcément... Ok, ça c'est le Steph Curry qu'on a envie de voir. La spéciale. Oui, ça c'est mon Stephen Curry. Ça c'est la défense qu'on aime. La bonne défense de Plouk avec des cuts basiques. Defense. Oh, Curry slide. Qui va me taffer. Waouh. Le contact rugueux signé Anthony Davis. Et je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de notre première défaite sur cette campagne de playoff, puisque pour l'instant... On fait une très belle passe d'Anthony Davis. On fait pour l'instant un sans faute. Defense! Ouh, j'aurais dû l'intercepter. Ah ouais, c'est reparti. Des bons shoots de qualité. Kevin Looney qui s'est battu. Mais ça ne suffira pas. La contre-attaque, on va pénétrer. Finir en puissance. Bronny James, he hammers it down. Les amis, où est-ce que je devrais aller sur NBA 2K24? J'ai pas envie d'aller forcément à New York, j'ai pas envie d'aller aux Lakers. J'ai envie, tu vois, d'aller dans une franchise où je suis encore jamais allé. C'est une franchise un petit peu galère, ça pourrait être sympa. En mode, tu vois, je vais vraiment dans l'équipe la plus claquée au sol de toute la NBA. Ça pourrait être grave lourd, ça. Oh oh, Mr. Anthony Davis, qu'on a vu, mais on a surtout vu pas de Bev, qui est seul et qui va prendre un shoot catastrophique. Mec, il est trop fort. Anthony Davis est trop fort. Ça peut être une vraie galère les Spurs. Parce que Wemby il aura pas non plus 99 de gêne. Donc ça peut être grave lourd en fait. Oh oh. Woo! Green light baby. En vrai tu vois les Spurs quand même ils ont le nouveau phénomène de NBA. Mais je pense qu'on peut trouver une équipe encore plus claquée au sol que les Spurs. Houston c'est pas mal claqué. Après il y a de très très bons jeunes joueurs. Donc il y a moyen de s'amuser peut-être aussi hein. Stephen Curry qui va sur le banc. Qui va se reposer un petit peu. Ça, c'est vraiment pas mal ce qu'ils nous ont fait là. Ça a pas marché parce que on a bien défendu avec Thomas Bryant. Oh, le shoot, il était pas mal. Hein. Je suis un ouf. Je suis un grand ouf. Et Anthony Davis. Encore Anthony Davis, toujours. Oh là là. Oh, le shoot casse-croûte. Oh là là, mais heureusement que toi, t'es parti à Washington. Hein. Parce que là, mon gars, ça va plus du tout. Allez, la contre-attaque. Et on finit en puissance. Ils avaient bien commencé leur match là les Warriors. Mais ils sont un petit peu en train de s'écrouler dans ce premier carton. Moi je pense en fait ce qui serait vraiment lourd sur 2K24, c'est d'aller dans une équipe où il n'y a pas de franchise player. Et le franchise player c'est le joueur que moi je vais créer. Ça évite de terminer tout le temps premier de conférence, premier de la NBA, tout le temps avoir l'avantage du terrain en playoff, etc., etc. Et d'ailleurs je me demande sur NBA 2K24 s'ils vont rajouter le play-in. Le traditionnel passage sur le banc du premier carton. Et on revient avec une petite avance de 4 longueurs. Anthony Davis. Non. What? Mais il est inarrêtable! C'est quoi cette action de fou? Mec, on est au deuxième carton. J'ai toujours pas fait une passe D. C'est chaud un peu, non? Wouh! Anthony Jokic, mon gars! La vista! La vista, la lucidité! Ça va chercher Andrew Wiggins avec le pic. Je suis dessus. Je ne suis pas dessus.
Et encore une fois, Anthony Davis dans tous les bons plans, faute de Kevin Looney. Shamgod d'Andrew Wiggins, c'est pris pour qui lui? Et la contre-attaque avec le hoop pour AD. Mec, il est très 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 en vue, Anthony Davis, dans ce match. Et ça, ça régale. C'est Thompson. Ouh, la sortie de pique hasardeuse de Patrick Beverley. Ah ouais, il est monté extrêmement vite là, Steph Curry. On va jouer le système, tranquillou. Stephen Curry est trop nul en défense. C'est incroyable avec quelle facilité je peux me démarquer. Et je peux faire des passes Eva tout simple comme ça. Mais ça, après, ça dépend aussi de la difficulté dans laquelle tu joues. Parce que quand tu joues en Hall of Fame, les IA, normalement, ils ont une adresse qui est augmentée. Donc les IA contre lesquelles tu joues. Et toi, ton IA, elle est un peu plus maladroite, tu vois. Donc je pense que ça aussi, ça joue. Oh là, oh, le système magnifique. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On combine avec Ilyasova. Defense. Stephen Curry. Mais gros, mais... Pardon ? Vas-y. Je sais pas où il s'est cru, le Steph, là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on shoot exter. Oh, je me suis fait absorber. Je me suis fait absorber dans le screen. Step back de Steph Curry. Et ça revient, mine de rien. 37-31, ça revient. Stephen Curry, il a actionné le réveil. C'est bon, c'est parti. Oh là là. Oh là là. On envoie même des teardrops. Ça faisait longtemps. Allez, pas de bev. Faut tenir. Oh, la gifle. Oh, la gifle gratos. Ça saute. Oh oui. Oh oui, AD. Mon gars, il est béni par les dieux du basket. Il ne rate rien. On va jouer au poste. Ah non, je peux pas parce qu'il y a une prise à deux. Il y a une méchante prise à deux. La cut. Wouh. Thomas Bryant. C'est Thompson au poste. Step back. Et non. On va essayer de jouer cette contre-attaque. Face à Klay Thompson. Prise à deux direct. Oh là 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 là! La Saint-Jordan Poole, on le travaille en triple menace. Ça enclenche une prise à deux. Russell Westbrook. Russell Westbrook qui m'a vu! Oh les gars, je crois que là, on a fait assez de dégâts pour cette première mi-temps. Score à la mi-temps 50 à 38. On espère que ça va se ressaisir parce que là, ils sont mal partis, les potes de Stephen Curry. Philadelphie qui a égalisé, les amis. Philadelphie qui revient un partout dans la série. Anthony Davis, c'est une mauvaise idée d'aller le chercher. Oui, je t'aurais prévenu. Oh, mais même ça, grand ouvert et brique. Faut le travailler. Faut travailler Stephen Curry et Ersan. Ou faire une superbe passe comme ça, ça marche aussi. Oui, 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 oui. Ah, dommage. Oh oui, AD. Il me régale. Ce pick and roll me régale. Green light. Et là, on est en train de faire un troisième carton made in Warriors. 26 points. 2 rebonds, 3 passes. Attention, parce que là, ça peut très très vite tourner au vinaigre. Autant s'arrêter là, les gars. 112 à 87. On leur a mis une raclée. Et maintenant, direction le nord de la Californie.